On our way to Chateau La Rosa. Just gonna give you a little view of the ride over. Comment ça va? Hello, hello. Merci beaucoup Tiphaine pour la recette de l'asperge, ta recette secrète de famille, c'est délicieux, on s'est régalé. The most amazing secret family recipe. Super bon. Et aujourd'hui on vient avec un autre challenge, on a amené du bœuf de Bazas. Tiens, regarde-moi cette bête. Ouh, voilà, regardez ça, si c'est pas beau. Hein. Here, et on a aussi avec, pour aller avec, de, hop là, je vais tout tomber moi. Voilà, des asperges vertes, on va faire griller. Do you have any wine that we could maybe drink? Bon vin rouge, je suis sûr que vous avez ça. Hein, par ici, au château La Rosa-Saron. On va trouver ça quand même, non? Salut Julien, salut Megan. Ben oui, on devrait pouvoir trouver ça. Je vais vous inviter à me suivre dans le chai et puis on va goûter différents vins rouges. Oh, so we can go in the cellar, that's perfect. Taste some red wine. Suivez-nous. I'm excited. Allez, c'est parti. We'll follow you. Allez. Donc voici la gamme des vins de la Rosa-Saron. The Rosa-Saron selection. Un Bordeaux rosé, plusieurs blancs secs, un Château La Rosa-Saron ou Toumilon, un blanc sucré, un liquoreux, appellation grave supérieure. So they do have a liquoreux, a sweet white as well. But I have a question. So the Château Rosa-Saron in white, dry white. Yes, and is it aged in oak or is it aged in the vats? Seulement la cuvée Anaïs. This one. And how long do you age it? 10 months. 10 months, okay. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça sera plutôt les deux vins rouges. Et on va aller plutôt goûter directement dans la barrique pour voir ce qui ira le mieux pour notre bœuf. So we're going to drink the red wine for the Bazas beef. Which one we don't know because we get to go and taste right out of the barrel. Donc on est maintenant dans le chai à barrique. Yes. Et on va déguster le rouge 2019. Donc qui est dans des barriques de 3 ans. Three years in the barrel. This is vintage 2019. Et donc on est sur des cépages de classiques de Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Petit Verdot. Donc c'est un vin qui est dans la barrique depuis le mois de novembre, depuis 6 mois maintenant. So this has been in the barrel for 6 months. It's a special experience to be able to actually taste it right now. And one thing that's special about our chateau, the ones that we get to go and share with all of you, is that we actually feel like we're being invited into, well, we are, we're being invited chez vous. Thank you. And when you come to visit us, which we hope you will in the future, everyone, it's a real experience to just be a part of this family run winery. And we even get to eat here in the vineyard, so we're very grateful. Vous avez de la chance, hein? Yes. Yeah. Tellement authentique et intimiste. Eh oui. Vous les tiennent de loin. Ben de loin, voilà. Cheers. Quand même. Sentons ça un petit peu. Vous avez un vin qui est très jeune. Hein. A very young wine. Yeah. Très fruity. Very fruity. Il faut, c'est des vins qui peuvent se garder 5 voire 8 ans. You can keep it for 5 to 8 years. Apportés par la barrique, mais qui sont déjà très très souples et qu'on peut bien déguster dès maintenant. Mm. And you can still enjoy it right now. Ah ouais, ils sont bien à l'équilibre de l'assemblage, du blend. Mm. Ah, c'est des vins qui seront mis en bouteille 18 mois après la récolte. Ouais. So you age it for 18 months in the barrel, and then it's bottled after 18. 1 year in the barrel. 1 year in the barrel. Okay.
and 6 months in the tank. In the tank, okay. Parfait. It's really good. Bon avant-goût pour le bœuf, hein? This is a good... Hey, Damien, what do you think of 2019? C'était un très beau millésime. It's a good vintage, ouais. Isn't it? I can tell. Yeah. Très parfumé, ouais. Très caractère. Mm-hmm. Not bad for 6 months. Mm-hmm. Oui, il est déjà bien évolué. Ah oui, oui, yeah. Très bien structuré. Ah, c'est parfait. Bon, j'ai hâte de déguster maintenant cuvée Damien en bouteille. Yes, hein? We're gonna try the cuvée Damien in bottle. Un millésime que Damien va choisir pour aller avec le bœuf. Hein? Allez, ouais, allez. On va essayer de bien manger quand même, parce qu'avec tout ça, il fait froid. We have to find T-Pen. Eh oui, hein? Allez, tout de suite. À tout de suite. Donc pour notre bœuf de Bazas, j'ai trouvé un cuvée d'Amiens 2015. 2015, eh? Qui était un très beau millésime à Bordeaux et très réussi pour la Rose Saron. 2015 was a very successful vintage in Bordeaux and very successful here at the Château La Rose Saron as well. Donc c'est le moment idéal pour le boire, 5 ans, il commence à être bien ouvert, c'est très charnu, très fruité. Et la barrique neuve est très. Le tanin apporté par la barrique est très fondu. Et ça donne un vin très charnu, très. Five years it's been aged, and he says it's the best time to drink it. Mm-hmm. So we're very lucky. Oui, c'est des vins qui peuvent se garder une dizaine d'années sans problème grâce au tanin apporté par les barriques neuves. Right. So it's been aged in new oak, French oak. Mm. And so you can keep it for a good 10 years. Yeah. C'est des vins très charnus, très concentrés, où le bois n'est pas trop marqué. Très fruité. What does charnu mean? Très charnu. Generous? Ouais, c'est pas full-bodied, mais... Full-bodied? Medium full-bodied? Charnu, I should know that plus, word. Medium full-bodied? Yeah. Yeah, it's velvet. Velvety, okay. Velour. Right? Du caractère. Velour. Avec got it. Du tannin. Okay. The mosquito. Moustique attaque. Well, we are in the vegetation, the beautiful vineyards. Les moustiques, ils attaquent, c'est l'heure. Ils ont faim aussi. Can we taste it? Ah oui, oui, oui. Mm. Mm. C'est superbe, ça. It is superb. Mm. Superb. Très velours. Soyeux. Donc c'est le bon choix pour se marier avec le bœuf. Ça va être parfait, ça. Hein? It's gonna be perfect married with our Bazas beef. Avec le tanin. Ouais. And you can tell avec your heart's in it. You can feel the passion. It's a really interesting art making wine, and it's difficult. The rain, the sun, the weather. The storm. And it looks so right. The storms. And look it. It just looks like it's easy. Is it easy? No. No. Not easy. Just a bit. It's not easy. Just look like it. Bon. All right. Bazas beef. Bazas here beef. We go. On y cheers. Va. Allez, à la vôtre. Santé. Let me see that.
Voilà, on est de retour au milieu des vignes. Hein ? Oh là là, regardez-moi ça. Belle bête de Bazas. Une race de bœuf locale. Vraiment goûteuse et tendre. Local Bazas beef. Avec. Alors, c'est quel. C'est cuvée d'Amiens encore. Et qu'est-ce qu'on a ? Toujours c'est quel 2000, millésime ? 2015. 2015. Avec nos pommes de terre sautées, notre bœuf de Bazas, échalote, asperges grillées. Voilà, on a un bel assortiment dans l'assiette qui va s'associer parfaitement avec ce magnifique vin. On retrouve un bouquet très parfumé et une texture velvette, velouteuse, velours, soyeuse. Qui va très bien s'associer avec la texture de la viande et des pommes de terre. Et on a une petite amertume en fin de bouche qui va très bien aller avec le côté fumé et grillé de la viande et des asperges. On va avoir un bel équilibre comme ça, d'accord, vin et mets avec des petites échalotes croquantes avec aussi l'asperge croquante qui va aller en contraste avec. Avec le côté velours du vin et le parfum aussi un peu vert et fruité qui va être très bien avec le thym qui parfume l'ensemble du plat. Bon, bon appétit, hein. Merci Damien, merci Tiphaine. Bon super appétit. Soirée dans les vignes, voilà, bon, quel régal. Hein. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à manger. Voilà. À la prochaine, souscrivez à YouTube et puis la prochaine fois avec nous pour un tour Rouge Bordeaux Immersion au château Larossaron, hein, avec plein de trucs à faire en plus, plein de découvertes. Tchin.